écouter l'OST de Rude Buster de Deltaloon directement, je sais pas sur quelle console il y est. Du coup, c'est une console Nintendo, mais je sais pas. Hop, j'arrête la musique tranquillement. Et oui, aujourd'hui, deuxième partie de là, on vient de faire une petite découverte du jeu Epic Games, du jeu Mystère épisode 14 sur Out of Line directement. Un bon jeu de réflexion, tout à la Plate of Lama, la Dark Side, enfin tout ce que vous. Bien en fait compte. Et puis on continue, on commence épisode 1 de Arcade Paradise, et oui, donc épisode 1, donc sur le Game Pass directement. Alors Arcade Paradise c'est quoi? Je vais vous directement dire c'est quoi. Google. Déjà Arcade Paradise, quel type de jeu? Alors, toutes les infos du jeu Arcade Paradise sur PC, PS4 et PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X. C'est de genre aventure et simulation développé par Noseblade Interactive et édité par WeRoad Productions directement et sur toutes les plateformes. Arcade Paradise, hop, on va marquer date de sortie. Le jeu est sorti le. Alors, Arcade Paradise sera disponible en édition physique le 11 août 2022. Sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 directement. Vous avez toutes ces infos ici. WeRoad Productions Arcade Paradise, jeu vidéo. Il est noté 4,2 sur 5 sur Amazon. 95% like. Ok. Date de sortie 11 août 2022. Genre de jeu vidéo indépendant aventure. Moteur Unity. Développeur Noseblade Interactive. Mode solo. Éditeur WeRoad Productions, tout simplement. Donc voilà, donc il est sorti en 2022, le 11 août, directement. Voilà. Le jeu a une durée de 10 heures, donc voilà, directement. Je vais directement ouvrir l'Xbox. Oui. Xbox. Hop. Tranquillement. Hop. Alors, je sais pas. Alors, j'ai vu déjà ce que c'est. C'est un jeu très, très, très foldingue. Donc, voilà. Donc le jeu dure 10 heures, donc on va passer la semaine là-dessus, je pense, si on fait des streams de pas longtemps. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, il faut l'enlever, bien évidemment, c'est plus d'actualité. Merde, c'est plus d'actualité. Hop, nickel. Faut pas que je désinstalle le jeu. Nickel. Hop, on lance. Et donc Arcade Paradise, c'est un jeu avec des bornes, tout ça. Je vais vous montrer directement la bande annonce. C'est le jeu. Ça se lance, hein, tranquillement. Are you bored? Et ça bug. Bon, ça bug. On va laisser. En tout cas, c'est un jeu avec des arcades. Hein. C'est un jeu avec des arcades. Simulation. Voilà. Vous avez plein d'arcades, plein de bords d'arcades, donc c'est tout mignon. Hop. Hop. On lance. Le jeu est déjà lancé, tu vois. Enfin, le jeu est déjà lancé. Nickel. Donc hop. Je pense que ça va très vite. Je comprends pas des fois. Nickel.
Il y a du vent. Du vent d'un seul coup là. Courant d'air. Ok, synchronisation des données. C'est comme ça, il faut pas le toucher la souris. Nickel. Alors il y a DLC qui était dans le bureau. Parce que le jeu est assez il est capturé. On va mettre l'audio. Hop, principal, ça c'est bon. Effet sonore, c'est bon. Enfin, c'est bon. Nickel. Langue. Alors, attends, français. C'est bon, ça c'est bon. Multijoueur, non merci. Ok, ok, ok. C'est bon. C'est parti. Hop. Oula, c'est moi ou c'est un peu pixelisé. Bizarre. Le jeu il est comme ça, hein. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est qu'à fond là. Oh. Avec MTV, vous connaissez MTV les amis? Pourtant j'en mets la musique. Il y a du sec, hein. Il y a du sec le café. Il prend le bus comme moi le matin. Okay. Parfait, pardon. MTV Dogs. King Wash, le roi. Bienvenue dans Arcade Paradise. Utilisez R pour regarder autour de vous. Utilisez maintenant L pour vous entrer dans la laverie. D'accord. Bonjour Ashley, c'est ton père. Oh, je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. Mais juste en fait, un petit peu le son. Il était temps que tu aies de vraies responsabilités. King Wash était l'un de mes premiers investissements à Greenstone, et c'était loin d'être le plus important. Sincèrement, j'avais un peu oublié l'existence de ce dépotoir. Mais peut-être qu'avec une bonne gestion, même un être aussi capricieux et ingrat que toi pourrait le faire marcher. Alors là, il y a des... Oh, je vais te réexpliquer les bases une dernière fois. Écoute-moi bien. Des bornes. Pour commencer, prends un panier de linge sale et place-le dans une machine vide. Tout simplement. Ramasse le linge sale. Alors attends, est-ce que là... Là. Ok. Alors remplissez la machine à laver et mettez-la en route. Laquelle? C'est laquelle qu'il faut la mettre en route. À ne rien faire et du temps perdu. C'est toi qui dois t'occuper de l'entretien du local.
Tu dois également ramasser et jeter tous les déchets. Ah, super. Il y a une benne à l'arrière du bâtiment. Ok. Ramasser les déchets. Ok. Ah, hop. Ok. Ouais. Il y a des déchets. Hop, nickel. Un petit déchet. Ensuite. C'est pour ça qu'il est presque plein. Et j'ai mis 4 trucs, c'est pour ça qu'il est, il est déjà plein. Alors, ramasser les déchets. Ok. Donc, ouais. Ah, il y a un déchet là-haut. Et un déchet là-haut. Fabuleux. Fabuleux. Il pouvait, pourquoi je ne mettrais pas là-dedans les trucs. Débarrassez-vous des déchets. Alors, sac plein. Appuyez sur A près de la poubelle pour jeter les déchets et obtenir une récompense. Alors, à l'arrêt du bâtiment, c'est ça? Ok. Commencez. L'alarme de ta montre retentira lorsque le lavage sera terminé. Ramasser les déchets est un moyen rapide de se faire un peu plus d'argent. Et place-le dans un sèche-linge. Commencer. Ah, j'ai totalement loupé la poubelle. Récupérer les vêtements mouillés. J'ai totalement raté le truc. Ils sont bons. Remplissez le sèche-linge. La caisse sèche-linge. Enfin, sèche-linge. Sèche-linge. Hop. Ensuite, tu pourras t'occuper de toutes tes autres tâches. Ta réputation déterminera ton succès. En continuation. Tu peux perdre des clients à cause des machines cassées, des déchets... 2 minutes 50 ça va vite. Personne n'a envie de revenir dans une laverie défectueuse ou qui sent mauvais. Réparer les machines en panne, ramasser des déchets et déboucher les toilettes aidera à préserver la réputation de la laverie. Votre montre ou votre agenda électronique vous alerteront de temps en temps de tâches à faire. Réparer les toilettes. Et là il y a des bornes. Des bornes. T'es sérieux là? Blockage blowout. Critical damage. Oh, j'ai raté. Ah non. Une fois que le linge est sec, okay. Récupère-le et prépare-le pour que le client puisse venir le chercher. Ok. Déposer le linge propre. Là. Faire la lessive générera de l'argent dès que le cycle est terminé. Vous devez trouver la clé de la réserve. Alors veille à ne pas être en retard, garde le local propre et ne cherche pas à faire des économies aux dépens de la qualité du service. Mais oui, moi j'ai joué. Écoute, Ashley. Je sais qu'à ton âge, gérer une laverie n'est pas vraiment très glamour. Mais tout a un prix dans la vie. C'est pour toi l'occasion de me prouver, pour une fois, ce dont tu es capable et que je peux te faire confiance. Faute de quoi, eh bien tu viendras filer un coup de main à l'usine d'emballage. Et répare les toilettes. Non. Ah. Connard. Oh, ça va pas. Il avait marqué quoi son corps. Thank you.
jamais de quoi de son camp. Occasionnellement, votre montre vous atteint d'événements importants. Allez dans le bureau et allumez le PC. Mais non, je vais pas faire ça. Il y a vraiment pas mal de déchets ici. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Pac-Man en fait. Un Pac-Man. Ok, c'est un Pac-Man. Enfin, il y a le journal. Journal. Ok. En fait, il y a plusieurs bornes. C'est cool ça. Et Super Geek, ton premier jour en tant que manager, t'as déjà reçu le discours condescendant de papa. Ah, c'est quand s'il ne punissait. J'ai 19 ans, je peux gérer une laverie automatique. J'ai la moitié d'une licence de business management. La moitié d'une licence, ce n'est pas une licence. C'est moi, lui. Maintenant, il pense que j'ai aucune ambition, mais qu'est-ce que je peux faire si je reste ici? N'importe quoi, nettoyer, jouer aux jeux vidéo, faire les magasins, peut-être même. Ha! Gagner un peu d'argent, t'as déjà vidé les traînies des machines. Les traînies. Les traînies, les trucs qui attrapent les pinces tandis que la laverie est ouverte. Tu gagneras de l'argent de façon continue, mais tu dois retirer les pièces des machines. Fais-le maintenant, fais-le. Tour, ramasse les pièces et ne les mets dans le coffre-fort pour voir combien tu as gagné. Ouais. Ramasser l'argent des vitrines. Okay. Ouvre. Appuyez sur B pour vous accroupir et accéder aux trini. Ah, je peux m'accroupir. Je peux ramasser ça. Oh, 250 000! Il est où celui-là? 96 000. Les machines à laver fonctionnent grâce à des jetons. N'oublie pas de récupérer l'argent de la machine à jetons régulièrement. Et mets-le dans le coffre-fort qui est dans le bureau. Mettre l'argent dans le coffre-fort. Ça, c'est fait. C'est pas mal ce petit jeu. J'ai 146 000 pièces. Ça, c'est un déchet. Un bureau. Coffre-fort. Là? Je connais pas le code. Ah si, c'est bon. Attends. Alors.
Seul l'argent placé dans le coffre-fort peut être dépensé. Alors, on a quoi ? À faire. Continuez à jouer pour déverrouiller cette fonctionnalité. Compte. Faut que je joue ? Je suis là, tiens. Ouais, putain. Oh putain, il y a des voitures de flics partout. Oh putain, bâtard. Oh bâtard, c'est au part. Putain, je t'ai détruit, mec. Je t'ai détruit. Oui, privateur de flics. Ah, d'accord. Vous êtes Ted. Comment c'est, hein? Allez, hein. Oh, pas de tarsalope. C'est comme un Pac-Man en fait, avec des voitures de flics. Oui, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué, les bâtards. Okay. C'est quoi le jeu là? Salut. Salut, Mondi. Comment ça va? J'ai appris que vous alliez apporter un gâteau à la princesse. Ouais, c'est son anniversaire. Si vous voyez, je paie le goûter. Pour s'assurer qu'il est bon. Ah, vous pourriez demander. D'accord. Je peux avoir du gâteau, s'il vous plaît? Bien sûr, mais qu'est-ce que j'y gagne? Vous verrez. Ah ouais. C'était incroyable, merci. Bien joué. Qui est cet adorable chien? Vous voyez la récompense dont je vous ai parlé? Vous gagnez le droit d'emmener Zibi en promenade. Pas d'inquiétude, elle vous suivra partout. Caressez-la et elle vous montrera votre inventaire. Génial, merci. Je prendrai le soin d'elle. Avant de partir, vous devez gagner des étoiles pour réparer les ponts. Nourrissez la faune locale pour en gagner. Ah ouais, c'est un Candy Crush en fait ce truc. Je crois qu'il y a un nombre de coups comme dans Candy Crush. Bon.
À faire. À fermer. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est cassé. Une machine qui est cassée, mais où ? Il n'y a pas de machine de casser. Oh mon dieu, je les ai vidés. Et le vache, il y avait une sacrée fortune dans les bandes d'arcade. Ah, ce truc, je les ai achetés il y a des années pour les clients. Papa n'aime pas l'idée, mais je trouvais qu'elle avait un certain charme. Et si on achetait plus des nouveaux jeux, de meilleures machines. Et les clients restent ici pendant que les vêtements sont en train d'essorer les machines. Pourraient ramener plus d'argent que laverie. Elle-même. J'ai commandé ces trois-là sur le site Arcadamania. Je te donnerai les infos. Peut-être que si tu en parles avec papa et en fournissant des chiffres et en parlant de la cause, il te laissera transférer leurs droits en une vraie salle d'arcade. La laverie lui appartient toujours, après tout. Mais si c'est toi aux commandes... Ouais, pas la peine de me le rappeler. Achète d'abord des nouvelles bornes. Remplis l'espace disponible et vois combien d'argent elles rapportent. Et souviens-toi, tu peux uniquement dépenser de l'argent une fois qu'il est récupéré dans les machines et déposé dans le coffre-fort. Voilà le site internet. Ok. Ouvrez Arcadmania et achetez votre toute première bande d'arcade. Alors, ça coûte 500 quand même. Wadgi, échanger sa fidèle hache comme une pioche dans ce jeu d'extraction verticale collectée. Achetez ça. Nickel. Bien joué. Votre nouvelle machine vous sera livrée demain matin. La laverie est ouverte de 8h à 23h et générera des bénéfices tant que vous êtes sur place. Vous pouvez voir l'heure qu'il est sur votre montre en maintenant. Vous pouvez continuer à travailler, jouer à des jeux ou bien terminer la journée en vous rendant à l'arrêt de bus en fin du King Wash. Pas assez d'argent, donc celui-là coûte combien? 500. Il est quelle heure? On est à 46 000. Il est 14h05. Okay. Oh, il y a un joueur. Il y avait des gens. Il y avait une personne qui est venue. Ouh, il y a du linge. Il y a du linge. Il y a du linge.
Ok. C'est des fantômes ou quoi, eux? Je vois même pas. Oui. Je suis une cam collée. Il y a un chewing-gum qui était collé. Il y a des clients quand même. Oh. Les toilettes sont propres. Ok. Nickel. Il est pas mal ce jeu, il est pas mal. Bonjour messieurs. En cotisation. À qui vous attendez, les gars? Allez dans les chiottes. Y'a personne. Y'a personne. Bouge. Y'a quoi d'autre comme tâche à faire? Continuer à jouer pour des vœux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il y a des gens qui jouent. De ce jeu, il est souvent. Mais là, j'arrive pas à rattraper ce truc là, le petit machin. Peut-être que mon sac il est ouvert. Peut-être que mon sac il est plein de poubelles. Ramasser plus de déchets. Paquet caché, trouvé 2. Okay.
Allez, un point. Un point. Oui. Hop. Oh, j'ai bien calculé vite. Okay. Alors, est-ce que c'est fini ça? C'est fini. Donc, ça va ramener. Ici. Hein, là. 50 euros. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre qui est terminé? Je pense que oui. Tut, linge terminé. En A. Bien le numéro de 2028 est là. Ok, 3, 2, 1. Oh, je crois que je lui avais craché. J'ai eu chaud. Donc là, c'est 2 minutes. Bon, est-ce qu'il y a... Allez, il y a un truc. Paquet caché. 3. Il doit être son propre. Non, il doit être son propre. Bon, est-ce que... Ouh, 7 euros, c'est tout. 7 euros. Non, je vais pas jouer à ça. Je vais prendre l'argent qui est là en dessous. 10,50 euros. 10,50 euros. 5,40 euros. On est à 192,95 euros. Déchet. Déchet. On a un déchet. Donc en tout, on a combien de... Alors, 238 098. Il est 21h53. Directement. Donc voilà. Bonjour Ashley, c'est ton père. Je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. Il était temps que tu aies de vraies responsabilités. King Wash était l'un de mes premiers investissements à Greenstone, et c'était loin d'être le plus important. Sincèrement, j'avais un peu oublié l'existence de ce dépotoir. Mais peut-être qu'avec une bonne gestion,
Même un être aussi capricieux et ingrat que toi pourrait le faire marcher. Alors, est-ce que c'est fini ? Là, celle-là dans 20 ans. Dans 10 secondes et celui-là dans 31 secondes. Et l'autre là dans... Tu. Parti. Il est 23h, la laverie ne générera plus d'argent après la fermeture. Si vous restez trop longtemps après les fermetures, vous pourriez tomber dans l'épave. Vous pouvez prendre le bus pour rentrer chez vous. Alors, recette quotidienne lundi. Recette de l'arcade 26,72€. Recette de la laverie automatique, 102,40€. Recette de l'année maintenant, 115€. Et là, j'ai reçu une nouvelle machine. Wow. Oh ouais, nouvelle borne. Oula! Les bornes d'arcade sont livrées dans la matinée. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment et déplacer les bornes en appuyant sur OK. Placez votre nouvelle machine. Allez, ma nouvelle machine. Ouh là là. Comment ça se fait ça? Comment ça se fait qu'il y a des déchets dans la laverie? Il n'y avait personne ce matin. Comment ça qu'il est plein? Donc 20 centimes, hein, évidemment, 20 centimes, voilà. Des chaussettes, très bien. Pourquoi pas. Donc c'est fini. On a déjà 20 euros. Oh! Bah oui! Là j'ai tout mouillé. 25€. Là j'étais trop mouillé. Il a fait ça toute la nuit. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une chaussette. Là aussi. Ah, c'est sale! Oh là là! Ouh là, il y a une cochonnerie là. Comment on prend ici là? Ah, il y a deux autres clients, ok. Je vais mettre ma machine. Alors, les machines, c'est où? €3,38. Ah! Oh mon Dieu! Ah ouais. Attends.
Game over, ok. Pourquoi j'arrive pas à le prendre celui-là? Ça compte en centimes. Une canette. J'avais encore un message que j'ai pas lu. Bonjour Ashley, c'est ton père. Je te... Je vais te réexpliquer les bases une dernière fois. Écoute-moi bien. Pour commencer, prends un panier de linge sale et place-le dans une machine vide. Ok. N'oublie pas, tout temps passé à ne rien faire est du temps perdu. C'est toi qui dois t'occuper de l'entretien du local. Tu dois également ramasser et jeter tous les déchets. Il y a une benne à l'arrière du bâtiment. L'alarme de ta montre retentira lorsque le lavage sera terminé. Retire le linge mouillé et place-le dans un sèche-linge. Ensuite, tu pourras t'occuper de toutes tes autres tâches. Ta réputation déterminera ton succès. Tu peux perdre des clients à cause des machines cassées, des déchets sur le sol ou des toilettes bouchées. Personne n'a envie de revenir dans une laverie défectueuse ou qui sent mauvais. Bah oui. Oh, y'a. Hop. Hop, hop, chaussette. Mon sac il est plein. C'est bon. Ok. Oh, c'est un jeu de chill ça. Oh. Sac plein. C'est juste un jeu de gestion, de simulation, tout simplement. Il y a rien de compliqué. Les toilettes sont toujours propres, hein. Alors là, il n'y a rien à dire. On a combien d'argent en tout? On a 343 000. Alors, pour une nouvelle machine. Oh, je regardais juste un truc. Hop. Aucun ami en ligne. Donc, si on l'a acheté. Ensuite, le stack Overflow, il est à 500 000. Vendu. Il est à 500 000. Empilez des boîtes contre la montre afin de combler votre patron dans ce jeu de casse-tête satisfaisant. Essayez de ne pas... Tout simplement.
Alors, j'ai écouté les messages qui restent. Bonjour, Ashley. C'est ton père. Je te surveillerai, ne l'oublie pas. Alors veille à ne pas être en retard. Garde le local propre et ne cherche pas à faire des... Ta gueule. Pourquoi je vais pas le prendre, celui-là ? Oh, 4 euros, c'est tout. J'arrive. Non, pas ici. €47,13. Et vous savez quoi les amis, on va faire que 3 sessions, parce que si franchement il faut faire que ça, ben voilà, bon, on va faire que 3 sessions dessus. Il y a des objectifs, mais c'est répétitif. Donc 3 sessions dessus, on va faire 3 sessions. Donc là, premièrement aujourd'hui, après lundi et mardi, tout simplement. Voilà, comme ça c'est noté. Donc ce sera la session 1 sur 3 aujourd'hui. Peut-être ton propre. Ok. Ok. Je vais essayer pas trop de saleté. Un petit couvre-fort, une petite empalave aussi. Une petite empalave. Alors sur l'équipe went for the crème de... Ah, il y a du linge. Jusqu'à 19h ce jeu. Donc voilà. C'est pas que j'aime pas, hein. Il est répétitif, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. J'aime bien ce jeu. C'est juste qu'il. C'est faire plein de sessions sur ce jeu indéfini. C'est long. Donc 3 sessions 17h, 15h, 19h, c'est bien. Oh, il y a un chewing-gum. Voilà, hop, nickel. Nickel. Mon linge est prêt. Mon linge est prêt. Alors c'est cool là pour ce premier jeu du mois de juillet. Du programme du mois de juillet, donc là on est quand même en septembre, j'essaie de faire les jeux du mois de juillet, tout ça, chaque fois je descends. Je fais le programme à chaque fois. Donc c'est cool pour un premier jeu du mois de. Pour un premier jeu du mois d'un nouveau mois de juillet, c'est cool. Et là, je reviens.
Je reviens. La carte vous permet de déplacer certaines bandes d'arcade. Pour déplacer une bande d'arcade, une machine, choisissez celle que vous voulez déplacer, puis sélectionnez l'endroit où vous voulez la placer. Certaines machines sont uniques et ne peuvent pas les déplacer. Placer des machines moins populaires à côté de machines très populaires peut leur donner un coup de pouce. Pause. Je vais changer. Les amis, c'est parti. Je kiffe ce jeu, il est bien, il est chill pour commencer ce mois de juillet. On est au mois de septembre, mais là je suis en train de faire les jeux du mois de juillet sur le Game Pass. Donc pour un premier jeu du mois de juillet, c'est cool, il est chill. Après, il y a des jeux que je connais pas sur du mois de juillet, peut-être qu'il y a des jeux que je connais, peut-être que je connais pas, peut-être que je me souviens plus. Donc voilà quoi. Alors, est-ce qu'il y a des chewing-gums qui traînent? Des chewing-gum. Eh, quand je dis... Attendez. Bon. Est-ce que là, c'est fini? Non. Je vais aller poser ça directement dans le coffre-fort. Le coffre-fort, ça va. Hop, nickel. Coffre-fort, ça va, il est là... Y'a que 3 combinaisons, ça va. Alors oui, ce mois de juillet sur Game Pass, il y aura le GTA V qu'on va faire en let's play, qu'on va faire directement en jeu solo. Je vais faire de multijoueur parce que j'aime pas trop de multi. Bon, je dis ça parce que j'ai joué à Chivalry 2 il y a très longtemps hein, sur la chaîne. Mais je dis ça, mais GTA V, ça va, c'est mieux quand c'est en solo, j'aime bien. Il y a des sous. Alors, est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. C'est bon. Nickel. Donc, on va directement le mettre là. Il y a celui-là aussi. Ça va pas se perdre au niveau du linge. Voilà. Bois du Schweppes. J'en ai mis partout, je suis dégueulasse, ce parc. J'en ai mis partout. Okay. Au niveau des bénéfices, on est à 549 098. Il est 20h30.
Et directement, à faire. C'est rare que les toilettes, voilà. Donc, sont sales. On va jouer un peu à ça. Y a du temps, quoi. Oh non! Ah, je suis mort, j'ai plus d'oxygène. J'ai passé niveau 1, c'est le jeu que je préfère le plus, sur tous les jeux. Alors c'est parti, on a plein de nage à faire là. Il faut le poser là. Ok, rang A. Pas fini encore. Donc on a ça. Ça va, les machines sont pas encore cassées. On a de la chance. Celui-là dans ici. Okay. 23h36. Putain. Faut que j'aille directement à l'arrêt des bus. Alors, mardi, on va récupérer pas mal d'argent. Tous les détritus sont crades les gens. Pourtant c'est fermé ici, je comprends pas. Ça qui est plein. Ça qui est plein. Ça qui est plein. Amazing. Amazing. 30 euros.
Allez, prochaine journée, je crois qu'on aura une nouvelle machine, une nouvelle borne d'arcade. Commandez. Ah là, ici, qu'est-ce qu'on a? Aucun ami en ligne. Ok, chatbox. Donc on est à 131 000. Ok. Non, 131 euros 50. Du coup, notre machine, on l'aura demain matin. Si tout se passe bien. Chaussettes, chaussettes. Là, j'ai tout mouillé maintenant. Il est plein. C'est comme ça qu'il est plein. Merde, je suis nul. Sac plein, ok, c'est comme ça qu'il est plein. Ok. Okay.
Les toilettes, les machines ne sont jamais cassées, les toilettes ne sont jamais bouchées, c'est bien. Je sais pas, chewing-gum. Hop! Oh non! Oh non! Terminé. Ah non, j'aime pas celui-là. J'aime pas celui-là, je déteste ce jeu-là. Pardon. Ah, jamais... Putain.
salopard. Marqué. Allez, ce bâtard. Petit culotte à peau rouge. Un chewing-gum qui traîne, ça fait longtemps. Allez hop. Déchire. Chaussette. Pour en S. 3, 2, 1.
genre 5 minutes avant de s'arrêter là. C'est vrai que 1h24 sur ce jeu, presque 1h30, c'est chaud quand même. C'est beaucoup répétitif. On fera quand même les 3 sessions, donc aujourd'hui on va faire la première. Je pense que mardi et mercredi. Ouais, non, lundi et mardi. Vu que c'est des petits lives de 2h, 1h ou 2h. Et bien on va faire des petits lives de 2h sur ce jeu. Quoi. C'est toujours de 18h, au moins jusqu'à 18h à 19h. 20h. Donc voilà. Fermeture à XXXX. What? T'as les quelles heures là? Je regarde ma nouvelle machine demain. Vous avez reçu un nouveau message de je sais pas qui. Okay. Je vais ramasser toutes les cochonneries là. Voilà. Tous les cochonneries. Me trouver. C'est comme ça qu'il est plein. On va faire ça, on va parler et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, nickel. Non, S, 30$. J'ai reçu un nouveau message. Je peux l'écouter par là. Ça commence à faire vieux, hein. Ici, le parterre est tout cassé. Bonjour, ne m'espionne et informé que tu m'avais pas mis le feu à la laverie. Pas encore, mais certainement pas de flamme. Je suis curieux d'entendre les idées que tu as pour augmenter la rentabilité, mais s'il te plaît, pas de changement dans mon approbation. Merci de me répondre cordialement. Gerald King, Goldman, papa. En fait, j'ai fait le calcul des vieilles bornes. L'arcade pourrait ramener plus d'argent que toutes les machines de la laverie. Ah, tu as fait le calcul. Mieux vaut passer au niveau suivant d'appeler Crushing Game. Je veux dire, j'ai examiné les recettes de conservation des projectiles. Voilà les données. Ça a déjà essayé. Les communautés n'ont pas besoin de jeux d'arcade. Elles ont besoin de laver les linges. Par chance, Leslie n'a pas compris et s'est appliqué. Et maintenant, elle a un excellent travail à la mairie. Je t'en prie, plus d'idées absurdes. Est-ce que tu pourrais me regarder les graphiques? Cette conversation est terminée. Eh ben les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on a fini sur une discussion entre papa et Fifi, directement. Nous, on se donne rendez-vous demain à côté de 18h pour une nouvelle semaine. Et oui, on va faire des streams de 1 ou 2 heures. Ouais, ça dépendra comment je suis, pas trop fatigué, tout ça. Et ben demain, on continuera avec un message comme ça. Voilà, portez-vous bien. On a fait deux jeux. On a fait la découverte de Out of Line, donc directement sur Epic Games. Il est prêt jusqu'au 28 septembre à partir de 17h. Et on a fait directement Arcade Paradise, qui est directement gratuit avec le Game Pass. Si vous avez l'abonnement, bien évidemment, partez-vous bien, c'est une soirée. Nous on se donne rendez-vous demain à 18h. Tout ce monde.